Bienvenue à tous pour ce match, un classico sur l'open de LFBB. Elm contre moi, comme d'habitude. Sauf qu'elle joue des Amazones contre Nedordic. C'est kiff kiff, hein, c'est un peu spécial. Voilà, chacun notre avantage. Je sais pas si vous avez pu voir, en clair que les Amazones aiment les hommes qui n'ont pas peur d'enlever des vêtements pour se battre. Et effectivement, il y aurait des, ils sont comme moi. D'ailleurs, c'est vrai que tout à l'heure, d'ailleurs, je regardais justement, mais vous voyez, ils sont un peu mieux, je trouve. Les Norse, regardez, ils sont beaucoup mieux. Vous voyez, au niveau des textures et tout, je trouve qu'ils sont mieux faits, les muscles sont super bien faits et tout. Alors que les Amazones, c'est un petit peu bizarre, je sais pas. Oh, ils m'imposent du style. On pourrait du coup prendre le risque de faire des blocs à un dé. Qu'est-ce que vous pensez des blocs à un dé? À part que c'était une mauvaise idée. Ça, j'avoue, il me manque juste une seule garde et j'aurais pu... Rah, je vais peut-être devoir lui laisser le centre, ça m'embête énormément. Ouais, ça m'embête beaucoup. On fait donc un bloc à un dé à chaque fois. C'est pas un coup à tuer mon joueur, ça? Tout ça pour choper quelqu'un qui a du 8 d'armure qui va être trop dur à taper. Et ensuite, je vais bloquer toutes mes... Bon. On va déjà faire des choses. Et on va voir. Ah oui, en plus, il manque une blitzeuse, donc... garde, hein? Non. Il n'a pas de garde. Putain, on les fout, hein. Vraiment les fous, hein. De faire ça, là, c'est complètement fou. On va essayer de préserver mes joueurs, quand même. Ceux qui ont de l'XP. Voilà, genre, elle, c'est non. Voilà. Et on va prier. On va prier. Donc là, il va me coller tout le monde. Du coup, je ne peux pas. Je ne vais pas pouvoir coller le centre. Alors, moi, le ballon, il tombe mal. C'est ça qui est bien. Il va déjà aller pouvoir aller chercher le ballon. Au secours! On est heureux. On est heureux. Ça va être du sale, hein. Je préviens. Oh. Attendez, peut-être qu'il va le faire, non? Il va faire ça. Il va peut-être ensuite blisser avec lui. Ouais, je pense. Oh, c'est pas un peu dommage, non? Je sais pas, il pouvait aller chercher le ballon. Ah, faut dire, il n'y a que deux relances. Et puis, je sais que ça va être un match-up assez facile. Ouais. Peut-être. Bon, c'est pas grave, on peut faire du replacement, hein, avec les Amazones, c'est pas dégueu. Putain, j'avoue que dextérité me ferait quand même extrêmement de bien quand même. Vous voyez, par exemple, dans ce genre de situation, pour pouvoir sécuriser. J'avoue que blocage est quand même vraiment très très fort, mais je sais pas. Ouais. Oh merde, j'allais dire, là on va toujours faire le bloc, mais ça peut être possible. Oh, on va devoir faire des blocs à un dé, hein. Pff.
Si me la sort, je m'en fous un peu. On va plutôt faire ça. Of course. Oui, vous pouvez le dire. On l'aime, le danger. On va peut-être créer. On va essayer de créer une espèce de. 1, 2, 3. On va. Putain, on va mettre tout le monde dans le même panier. J'aime pas du tout ça. Je vais le jouer au dur. Hein. C'est trop chaud quand même. Hein. Je pense que je vais au moins faire une esquive. Ah, bref, c'est qui va sortir. Non, il va pas sortir. Ça. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va tenter moins une esquive avec qui? Avec... De toute façon, lui, il est trop à droite. C'est l'avantage, hein. C'est l'avantage de l'équipe. Mais jusqu'à quand je vais pouvoir faire ça? Il faut à tout prix je me conserve en fait une blitzeuse. Oh, juste la dernière, les gars. Ouf. C'est marrant. C'est assez marrant de couler les Amazones pour ça. Voilà. C'est cool, hein? Oh, franchement. Franchement, je crois que j'aurais préféré. Hein. Parce que là, qu'il soit au milieu, moi, ça m'arrange pas du tout. J'aurais pu partir à gauche tranquille. Ouch, ça va être dur, hein? Il y a ce côté justement entre les deux qui... Ah, du coup, est-ce que c'est eux qui sont plus forts que... Ah, je pense que pour blitzer, c'est mieux. Mais après, pour le replacement, c'est moi qui est mieux. Ouais, c'est vrai que c'est un peu kiff-kiff. Ouais, ouais c'est vrai que c'est un peu kiff-kiff. Sauf que le truc, c'est que c'est quand même mieux de blitzer avec, avec blocage. Ouais. Parce qu'en fait, si vous faites... Vous savez, si vous faites enfin, le pot avec le flash, le point d'exclamation, c'est pas grave. Alors que là, c'est problématique. Ça, c'est pas grave, on peut esquiver. Il faut esquiver d'ailleurs. Oh, j'aurais tellement voulu qu'il le mette à droite. Parce que là, ça m'embête vraiment. De toute façon, on va juste jouer safe, hein. C'est pas la peine d'essayer de faire le fou. Faut qu'elles y arrivent, hein. Si elles peuvent pas esquiver... Ah, non, lui s'en fiche. Bon, on va faire ce qu'on a dit. Voilà. Ah,
passant, on va juste sécuriser comme cela. On va jouer avec la force, avec nos forces. Hein. On a les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Quelque chose près. Il faut juste que je fasse gaffe à pas me faire enfoncer par l'autre monstre. Après, il faudrait que je fasse une esquive au moins là, c'est prioritaire. Ah fuck. Pas de chance, ça va avancer. Joli tour, hein. Ouais, je pense que vous avez été impressionné par mon tour. Ah, c'est dur, hein. Ça va être dur parce que... C'est dur parce que j'ai pas pu profiter de mon engagement. Donc ça aurait pu me donner un avantage, mais là... L'avantage est compliqué. Donc on essaie de récupérer un peu de terrain et on va voir. Si dès qu'on peut percer, on percera. Ça aussi c'est très perturbant parce qu'en fait je suis à droite. Ouais, ça aussi, hein. Ça aussi dans le Ball 3 il y aura plus cette histoire. En fait quand vous jouez chez la personne, donc la personne du coup elle est toujours à gauche. Et si vous êtes en extérieur du coup vous êtes toujours à droite. Et inversement. Et je me semble que dans le Ball 3 ils ont arrêté de faire ça et tant mieux parce que... Voilà quoi. Moi personnellement je trouve ça perturbant. Surtout en ce moment je joue tout le temps chez moi donc du coup j'aurais le réflexe de regarder là et du coup je pourrais me tromper. Je pourrais me tromper de... Donc là, ouais, à chaque fois, il met la pression. On dirait qu'il va blitzer avec lui, non? Ouais, il va blitzer sur l'aile. Ça vaut le coup. Il pourrait lui faire mal, et puis derrière, il y aurait une zone de tacle. Enfin, non, lui faire mal, mais ça revient. Donc il peut pas vraiment lui faire mal. Eh, ça va être dur de percer, hein. Franchement, ça va être dur, hein. Je vois pas trop comment faire. Il va falloir prendre des risques. Il y a un trou par là, mais faudrait tu parler. C'est impossible. Hein. Il a peur, on dirait que je lui prenne le Yeti. Ah, c'est peut-être ma chance ça. J'ai l'impression que c'est ma chance. Ouais. Oh, tant pis, hein. Je vais prendre de sacrés dégâts. Mais je pense que c'est ma chance. Ma chance, hein, faut le dire vite. Hein. Oh, je vais me faire massacrer. Hein. En fait, le match-up n'est pas bon. Je pensais que ça allait et tout, mais en fait, non. Ça ne va pas du tout, en fait. Le match-up, il est méchant. Le match-up est vraiment terrible, en fait. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. On va faire de go for it, hein. Je vais me faire blitzer par là. Oh, putain. Vous voyez l'esquive ratée ou pas? Ouais. C'était sûr. Ah, c'était sûr.
Ah là là. Ah là 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 là. J'ai pris un risque. Oh, ça te l'a fessé, hein. Accrochez-vous, ça va être long, hein. Oh là là, 1 heure de match à le regarder jouer. Ça va être long. C'est pas grave, on va se laisser perdre et on va essayer de minimiser les dégâts, c'est pas très grave. Ça va, on s'en sort bien pour le moment, je trouve. Faut juste pas que l'équipe prenne trop cher. La vache. Ouais, on brille pas là, on va pas briller, hein. Voilà, ma petite prise de risque là. Bon, de toute façon, j'avais fait un double 1, donc quoi qu'il arrive, même avec des elfes, ça serait pas passé. Rien à redire. C'est pas grave. Ça va, ça va. Franchement, ça va. Pour l'instant, on est bien. En plus, on a une blouse berserk, donc c'est pas très grave. On pourra sûrement relever les gens. Hop là, il faudrait qu'ils le mettent là. Ensuite, il pourrait même tenter une esquive, ce serait assez top. Ah oui, il y a encore lui à taper. Ouch. Ouais, normal, là, il y a plus de chances que mon armure craque. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sans, bien sûr, tuer mon équipe? Bah, pas grand-chose, en fait. Il y a juste un bloc 1D ici. Bon, on va essayer de faire revenir des gens, puis on verra. C'est un peu compliqué quand même, hein. Je pense qu'il faut mieux courir. On va laisser, on va laisser, tant pis, GG à lui. On verra si on peut faire quelque chose en deuxième mi-temps. Là, pour l'instant, c'est pas ouf. Fuyons. On va fuir du coup. C'est pas grave. On verra, peut-être la deuxième sera peut-être meilleure. On aura peut-être une opportunité ou un truc comme ça. On va laisser. Y a des matchs, hein. Ah, j'avoue, le blitz au début a fait mal, hein. C'est toujours comme d'hab, hein. Le blitz est beaucoup trop fort, malheureusement. Mais c'est bien, on est toujours dans l'apprentissage du coup de cette équipe, donc on va voir un peu ce que ça donne.
Voilà. Une game passionnante. Ah. Ça veut dire, attendez, mais ça veut dire du coup que j'ai pris une moins 6 et une moins 6 sur un tour. Waouh, ça fait mal. Non, peut-être une moins 5, je crois. Je crois que j'avais déjà un KO, il me semble. J'espère qu'ils vont revenir. Bon, après, voilà, de toute façon, c'était un match. Hein. Un match juste pour récupérer un peu les joueurs. Il me fallait de l'argent, ouais. C'est pas très grave. Enfin, c'est bien joué, ça faut que je fasse gaffe à ça quand même. Je me fais un peu trop balader. On a les mêmes armures, du coup, bah, chacun essaie de données. Hop. L'agression aurait pu être marrante. Alors, il veut se joindre à la bataille, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se joindre. Ah, ça y est. C'est quand même pas à mon avantage là. Hein. J'arrête pas de me faire taper, ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais. J'arrête pas de me faire frapper depuis tout à l'heure. Ouais, match-up horrible, un match-up horrible. Je pensais pas qu'il serait aussi horrible. On peut relancer. Voilà. Oh, quand même, le 3D. Oh, bah non, il peut l'emmener jusqu'à là-bas. J'allais dire. Ah, oh, vu, comme par hasard, c'est au moment que. C'est dommage ça. Ouais. C'est marrant tout ce qu'elle a pris. Tout ça, vous allez voir pour finir sur une blessure. Oh, même pas.
Je crois qu'on va faire un 2D contre pour rigoler. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on tape? C'est lui. Let's go! Là 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 là, c'est pas possible. Oh, quel con, j'ai poursuivi. J'ai mis ce clic. Oh, c'était pas mal, hein? Oh, c'est bien amusé. Là là, quel game. C'était incroyable. Vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais en profiter pour peindre un peu les figurines, parce que là, de toute façon, c'est absolument inintéressant. Hop! Hop! Ah, j'espère que ça va pas trop vous flasher. On verra. Alors, ça va, il y en a deux qui reviennent. Comme il dit, ça devient intéressant. J'espère que je vais réussir à voir quelque chose avec cette lumière en pleine tête. Pas grand chose à faire, hein. Ah, il y a une, c'est une blitzeuse qui a out. Mais non, c'est terrible ça. Allez, go. Alors, où est mon pinceau? Ça? Non. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ouais, j'ai la lampe, la peinture, et maintenant le pinceau libre. Peut-être que là, il est là. Ouais, c'est bon, les gars. Bon, allez, on va essayer ça. Donc. Pour l'instant, je les trouve un peu bof quand même. Je sais pas, la couleur est vraiment étrange. Pourtant, c'est la couleur de base. Peut-être que je le fais mal, je sais pas. On va essayer ça. Alors. Autant que je perde pas du temps pour rien. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression peut-être que j'en mets trop. Peut-être. Je pense que ouais, j'en mettais trop, à mon avis, peut-être. Essayez de pas trop en mettre. Je dis ça, genre. Ouais, vous voyez pas, il faudrait que je baisse la caméra, mais. C'est compliqué. Quoi? S'est passé quoi? Ah, il a fait un double 1. Double 1, double 1? Oh, what the fuck? Attendez, je vais poser ça 2 secondes. On va regarder s'il y a pas moyen d'exploiter ça. Alors. Oh, tu parles. Compliqué d'exploiter ça. Hein. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Il faudrait que j'arrive à péter lui. Pense qu'on peut prendre des risques à mon avis. Hein. Sinon, on va perdre le match.
Voilà. Faut qu'on le... Et on va faire ça. Voilà, on est content. On l'a tapé. On l'a tapé. Eh, pas mal, hein? On brise même deux armures. C'est pas croyable, ça, franchement. Putain, j'ai envie de me jeter. Et je lui donne... Franchement, on fait ça ou pas? De toute façon, on va perdre le match, on est d'accord, hein? On le fait? Vas-y, on s'en fout, vas-y. De toute façon, on va perdre. Si on fait rien. Oh non! Directement sur le Gopherine. J'ai combien de relances? Allez, vas-y, on s'en fiche. Voilà. C'est facile ce jeu. Non, 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 il a intercepté. Bon, là, t'es où? Attends, j'ai baissé la caméra, comme ça vous allez peut-être voir un peu. Sais pas si vous voyez grand-chose, mais... C'était vraiment pas loin. Et en plus, ça lui fait de l'XP, quoi. Dommage, on a failli voler le match. Ça aurait été très drôle. Bien dommage. Putain, juste pour une épaule, quoi. C'est long. C'est bien, comme ça en termes de Blood Bowl, je pourrai savoir combien de temps ça met par rapport à un match de Blood Bowl. Mais c'est pas normal que ce soit aussi long, non? Là, par contre, faut que j'en mette un petit peu plus là quand même. Sinon, je vais mettre 10 ans à le peindre. Hop, ça dépend le poste. C'est quoi le poste? Bon, on peut passer, je pense, hein. Bon, allez, on passe. Non, on voyait pas grand chose. Tan 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 Oh. Oh, il a réussi. Quel dommage. Il va esquiver. Oh oui. Allez, non. Il aurait pu tenir. Alors, qu'est-ce que se passe là? Ok. On peut essayer de check ça. Mais aucune chance de récupérer le ballon par contre. Bien joué. Mais on peut rien faire. Oh, je suis en blessant. Bravo. Attends, il a aussi un apothicaire. Oh,
C'est le loup qui l'a récupéré, c'est marrant. C'est plutôt marrant. Peut faire quoi avec lui? Ouais, vas-y, on le colle. Oh, ça sert à rien de coller. Il va juste en pot. Là, on lui laisse le 3D, hein, je pense. Ça fait une case de moins, ça. On sait jamais sur un malentendu. On ne sait jamais. Ah, oui, on va pas non plus laisser la pauvre bichette là. Elle va mourir sinon. Voilà. Alors, où étions-nous? Ouais, la contraste, c'est bien, mais. Je sais que la contraste, mais je sais pas, ça a pas l'air d'être top là pour cette figurine. Je sais pas, on verra. Peut-être qu'une fois avec les éclaircissements, ce genre de choses, ça rend peut-être mieux. Ça a pas l'air d'être fou là quand même. Vous savez ce qui est drôle dans le match, c'est qu'en fait je peux plus aller le chercher là. En fait, s'il reste au milieu avec le ballon, je ne peux plus rien faire. C'est assez drôle. Ah mince! Au moment en fait que j'avais appuyé sur. Bon, on peut faire un 2D contre, mais c'est pas ouf. Ouais, s'il reste. Regardez, s'il reste comme ça dans le sens, c'est drôle, je ne peux plus rien faire. C'est fun. Ouais. Et lui, ça va faire juste des. Juste de l'XP à fond. Il va juste attendre que je m'explose tout seul, en fait. C'est ça le problème. Oula. Que si je me mêle avec tout le monde, je pourrais même pas le contrer, je crois. Regardez. Je suis presque sûr que ça marche pas. Alors. Donc c'est ça. S'il reste à l'infini au centre, je peux plus rien faire. Bon, ça va, ça avance vite ou pas?
rapport à Blood Bowl, ça donne quoi? C'est un vrai problème, il y a trop de détails. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce que se passe? On va aller en dire chercher son porteur. Bon, allez, on le fait, c'est trop fun. Sauf que je suis obligé de bloquer un dé. Ça, c'est moins fun. Dommage. Écoutez, hein, sur un malentendu. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Go! Ah, dommage. C'était bien tenté. Foutre les rentes dedans. On s'en fiche. Laissez-moi peindre. Et arrêtez de faire des turnovers là. C'est quoi ça? Il fait des turnovers tous les 2 secondes là. C'est vraiment pas possible, hein. Sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une équipe d'humains que je suis en train de peindre. Une belle petite équipe d'humains. Putain, il a encore fait un turnover, mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il fout quoi? C'est quoi son problème? C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il fait, hein, mais ça va pas, hein. Comment tu vas le chercher là? Il s'acharne
Et bah comme ça. Quatre, cinq, six, sept, huit. C'est trop. C'est trop pico. Putain, en fait, il faudrait presque que je blitz avec lui. On va faire ça. Bon, il faut tenter ma chance jusqu'au bout, là, je pense, hein. Allez, go. La chance jusqu'au bout. Et go. Merde, j'aurais dû bloquer à gauche. Excellent. Qu'est-ce qu'ils sont forts, mes joueurs. Oh, mais non. Mais non. Putain, je peux même pas taper. Parce que sinon. Ah, si. Avec le Yeti, c'est incroyable. Ah bah non, avec son. Ouais, avec son. Luftwaffe. Alors, mince, arrêtez de faire des turnovers, monsieur, là, c'est chiant. J'arrive pas du coup à me concentrer sur ma peinture, ouais. Il a l'air vraiment moche. Hein. C'est juste parce que rien n'est fait encore, d'aller voir. Ça sera vraiment différent quand. Et j'avoue que moi-même, j'ai l'impression que c'est moche quand même. Hein. Mince, je faisais quoi déjà? C'est ça? Il me manque ça derrière là. Putain, il me reste encore les barres. Alors, oh, c'est bon, il l'a? Il n'y a plus de relance, et moi. Et moi, il me reste une. Incroyable. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. C'était juste incroyable. Mais pourquoi l'armure est aussi moche, quoi? Je vois que ça va pas là, comment je l'ai peint. Alors. Elle est toute seule. Elle est toute seule. Comment on pourrait faire? C'est quoi ça? Elle est à terre? Je pense qu'on va faire ça, c'est super intéressant, non? Et ensuite, on blitz un des deux, puis on essaie d'aller marquer. Hein. Allez, go. Puissance, si on fait rien, on l'a perdu là.
perdre. Si on ne fait rien. Allez, je sais quoi. Pff. De toute façon, c'est une action kamikaze, donc. Autant se faire plaisir. Oh, il n'y a pas eu de 1. Oh, il n'y a pas eu de 1. Ouf. Allez, faut juste que tu le pousses. Oh là 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 là, mais quel bonhomme celui-là. On reste là. Et après on refait un bloc indé. Oh non, vas-y, on va marquer. Voilà. Voilà, je fais le mec là, mais je fais le mec, mais en fait ça va pas du tout. Ça va pas du tout là. Ah oui, il faut s'y peindre ça, mince. Il y a aussi une partie devant là, devant le crochet. En fait, c'est les équipes d'humains et. Il y a une espèce de gros crochet. Voilà, comme ça. Et après, c'est la main. Ouais, c'est la main. Alors. Ok, oh, il me reste plus rien. Est-ce que je lui laisse l'opportunité de. Parce qu'il va me coller tout le monde et je vais devoir prier. Oh, c'est quoi, j'allais tout au fond de terrain, ça sert à rien. Tant pis, hein, ça lui laisse une grosse opportunité. Je sais. Je sais. Je sais tout. 5, 6. Non, peut-être plus sur le centre, c'est peut-être mieux. Allez, prions. On peut peut-être faire le match nul, tout en peignant notre figurine. Le problème, c'est qu'il arrête pas de faire des turnovers et c'est assez chiant, parce que j'arrive pas à la peindre, du coup. Comment je fais de troll mec. Alors que la game est horrible, hein, on va pas se mentir. La game a été horrible. Mais je sais pas trop comment je récupère ça parce que j'étais en train de peindre ma figurine. Allez, si tu réussis un bon truc. Allez. Oh fuck! Putain, le jeu, please! Enfin, please. Le jeu m'a quand même offert des bonnes choses là, je trouve quand même. Hein. Hop! Je sais pas, peut-être que c'est moi qui sais pas les biais et les étaler, mais. Donc, je suis toujours. Je suis toujours en stress là sur mes figurines. Hein. Ça me semble louche. Ça me semble louche ce que je suis en train de faire. Ça me semble vraiment louche. Oh, bien fait ça. Il peut gagner le match, hein. Il peut prendre le match comme moi je l'ai volé. Oui, c'est pas mal. Je peux pas vous le faire voir. Non, vous la verrez pas. Hein.
Bon, ça a l'air d'aller quand même, mais... On verra. On va pas déprimer pour le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on va attaquer du coup celle-ci, là, le receveur. Je sais pas si vous voyez. Quoique, si je fais ça, est-ce que ça focus bien? Oh yes. Ça. C'est très intéressant. Il me reste combien de tours? Putain, je vois rien du tout. Deux tours et une relance. On peut même aller marquer. Ouais, on peut même aller marquer. Il faut pas trop rêver. Donc là, ce qu'il faut, c'est tabasser les plus forts. Il va me faire le même coup que je lui ai fait. Voilà, donc s'il tape comme ça, après il y en a l'autre. Peut libérer assez facilement, hein, il fait ça. Et après il tape encore avec lui. Ouais. Imaginez, en voulant prendre le ballon, ça le donne à mon adversaire. ouais, ce serait moins drôle quand même. Je pense que le mieux c'est juste de me mettre dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est con parce que si je me mets dessous en fait je peux pas les marquer. T'as un fou toi. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire ouais je vais les marquer. Je suis un déglingo. Parce que si je me loupe là il va faire un joli transfert. Peut-être pas. Allez, on le fait. Moins ça. On n'a pas le choix, on va faire ça. On peut voler le match. On peut voler le match. On est vraiment des escrocs. Des trucs quand même chouettes comme ça. Ouais, une fois avec tout peint. J'aurais peut-être dû commencer en fait par les pieds et tout. Oh l'enfoiré. Il a poussé sur le ballon, c'est ça? Non, même pas. En faisant ça, ouais, il annule du coup là. Pas mal. Ben voilà, il a fait son 1. Ouais, on pourrait donc peindre juste ça. On va essayer. Et on laisserait une grosse trace blanche au milieu. Oh, foiré. Et va-t-il réussir? Va-t-il réussir? Ah ben oui, il a déjà blitzé, mince. Il va le faire avec son Yeti. Avec son... Je vais le tenter. Oh yes. Oh. La blessure juste à la fin, quoi. On peut pas faire push-push, on est d'accord.
Putain, d'une case, quoi, c'est quand même incroyable. On va pas se mentir, il a quand même pas mal troll, hein. Il a troll d'une force. C'était assez drôle quand même. On va pas se mentir. Relance, relance. Bon, voilà pour ce match. Bon, désolé pour l'atelier de peinture, mais. Désolé pour l'appel de l'atelier de peinture, mais franchement, le match était tellement horrible. J'ai préféré. Bon, puis, vous savez, ça vous montre aussi, du coup, les mauvais côtés aussi, hein. Il y a des fois, bah, on peut pas toujours avoir des bons matchs, hein. Surtout là, en fait, le match-up, je pensais qu'il n'était pas si terrible. Parce qu'en fait, je suis toujours dans l'apprentissage des Amazones. Je pensais. Oh, j'ai encore eu. Je pensais du coup que le match-up était pas si horrible, et en fait. Le match-up était pas ouf quand même, hein. Ok, et moi. Esquive. Ouais, ça va, tout est. T'as les blessures. Heureusement, ça aurait pu être vraiment être pire. Franchement, je m'en sors super bien. Je n'ai rien fait du match, je n'ai fait que le regarder jouer. Entre deux peintures. Incroyable. Attendez. Attendez, j'étais en train de m'enflammer. Bon, allez, je vais vous saluer. En fait, je voulais rester avec vous pour qu'on choisisse un peu le prochain du coup fake star, mais c'est pas grave, on fera ça du coup une prochaine fois. Allez, je vous dis du coup à la prochaine. Et franchement, ce match était incroyable. Je l'ai pas vu. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il a fait beaucoup de ça de turnover avec son. Bon, après il trollait. Hein. Il trollait parce qu'en fait, il cherche surtout en fait à XP son équipe. Du coup, bah, la victoire lui importe peu, il s'en fiche un peu, quoi. Bah, allez, du coup, je vous dis à la prochaine.